Trop beau, une nouvelle vidéo, donc Battle Trade, donc aujourd'hui avec Pokémat, donc il va pas parler bien évidemment, donc ça va être une courte vidéo, enfin courte vidéo quand même de 10 minutes hein, maximum, enfin minimum, enfin donc du coup dédicace à Pokémat pour l'intro qu'il m'a faite au début, donc moi j'ai fait la musique un peu, et enfin remix, et j'ai fait l'action du début avec Faucheur, sinon il a fait tout le reste, donc dédicace à lui. Chaîne en description de Pokémat, bien évidemment. Donc je vous retrouve quand il aura décidé d'envoyer une invite. Et puis tout simplement, voilà. Donc aussi, j'organiserai un concours de YTP. Enfin bref, donc voilà. Désolé si j'aurais pas sorti cette vidéo le mercredi qu'il fallait. C'est juste que j'avais pas trop le temps. Il était un peu tard et tout. C'était un peu chaud. Donc voilà. Donc je vous retrouve quand il aura décidé les règles. Et voilà. Les gens, il m'a dit qu'il avait un peu buggé. Donc du coup, on va faire décider soi-même. Donc voilà, j'ai décidé soi-même. Voilà. Choisissez les règles. Donc on va choisir les règles normales solo. Parce que les règles normales, bah, c'est les règles normales quoi. Confirmer. Envoi de données. À Pokémat tout simplement. On choisit notre fameuse équipe ici. Donc oui, donc j'ai pris les trois premiers Pokémon parce que je me suis trompé au début. Bon c'est pas grave, j'ai pris les trois premiers GXP en off et du coup ça donne ça à mon équipe. Enfin de toute façon ils sont en layout. On met pas vraiment de musique pour l'instant, que le combat commence et on l'attend tout de suite. Alors pour vous décrire un peu mon équipe, j'ai un Fenard de Lola, un Ariyama et un Metang. Donc franchement mon meilleur pour l'instant c'est Fenard de Lola avec pouvoir lunaire, je vous dis pas. Bon apparemment il peut me dégommer facilement, j'ai très peur tout simplement parce que il a un flambusard. Un flambusard. Juste do it, juste do it, que voilà. Alors du coup oui ok, il a son équipe, de toute façon il va choisir, y a pas de souci. Donc non, c'est normal, c'est les 6 Pokémon, ils vont choisir que 3. Donc du coup, mon équipe, je pense qu'on va prendre Metang en premier, on va prendre Ariyama et on va prendre Fenard. Et c'est parti. Alors du coup, le combat commence. Donc du coup, Kylian, bah, c'est mon prénom quoi, c'est cool quoi. VS Pokémon, donc Azernoth VS Pokémon si vous préférez. Voilà. Donc la game va pas forcément durer longtemps en fait, ça fait déjà 2 minutes, mais ça fait à peine... Alors voilà, donc il envoie son flambusard, évidemment on s'y attendait, hein, vraiment. Bon je pense qu'en fait il va totalement me dégommer, on va pas se le cacher. Du coup je les ai vraiment XP, mais c'est tout quoi. J'ai vraiment juste fait ça, c'est vite fait. Alors flamèche de la part de flambusard, donc évidemment... Wow, en 3 coups il me tue, bon trichot. Et moi en... Ah d'accord. Alors, oh purée, faut que je fasse griffacier mon gars. Mais oui, après il reflète flamèche, donc il va spammer bien évidemment. On va laisser mourir notre fameux Metang. Tout simplement parce que bah, il n'y a pas autre chose à faire quoi. Oh non mais là c'est mort là. Là en vrai c'est totalement mort là. Les gens, on va déjà perdre un Pokémon bordel. Bon c'est pas grave, on fait bélier. Bon c'est pas grave, il va mourir. Clairement je pense qu'on va perdre. Clairement hein, il va spammer Flamèche. Donc voilà. Donc je vais mettre moi un Ariyama. Là il va faire moins le malin. Clairement on va pas se le cacher. Donc bref. Alors j'ai une petite technique, on va pas se le mentir. J'ai mon petit bluff hein, à proximité. Donc bluff qui arrive et paf ça fait des chocs à pic mon gars. Alors corps ardent ça fait mal. Ah non je déteste ça. Sur un Ariyama mon gars c'est horrible. Bon il a la trouille bien évidemment. Alors nous allons faire. Est-ce qu'il est plus rapide du coup? Bah oui forcément qu'il est plus rapide. Je suis encore perdu. Attends. On va voir s'il nous fait mal. Acrobatie. Mec, il va nous niquer totalement. Voilà, allez, qu'est-ce que tu vas faire, mon gars? Qu'est-ce que tu vas faire?
Et merde. Ah oui, c'est vrai, bah oui, bah, c'est 9 PV, c'est ça, bordel. Ah, en vrai, il va totalement nous dégommer, donc désolé si c'est pas assez long. Oh non, il est pas sympa. Ah, il est pas sympa, il vient de me dégommer, les gens. Mais non, je lui dis non à la société. Vaut mieux hypnose, en vrai. Oh non, mais ça allait trop vite. Oh oui. Oh non. Oh non, les gens. Oh non, sérieux. Oh non, mais... Oh non, je suis dégoûtée. Ah non, mais genre, à mort, je suis totalement dégoûtée, là. Oh oui. Ah oui, yes, enfin. Ah bah, enfin, un purée. Enfin de la chance, bordel. C'est pas possible. Du coup, je l'ai endormi. On va faire l'hyliophilisation. Donc, il dort. Tranquille. Allez, nous, on va faire notre attaque. En vrai, on pourrait tellement le dégommer avec notre fenard d'Alola. Oh, putain. Si seulement il dort encore. Dors, 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 dors. Flambusard dort. Flambusard fait dodo. C'est bien de dormir. Oui, il dort encore, les gens. Il y a encore de l'espoir, il y a encore de l'espoir. Allez. Ah oui, je suis totalement ouf dans cette vidéo, mon gars. Allez, un premier kill pour cette petite battle trade. Donc après, je pourrais faire ça avec vous parce que tout simplement, Skoren m'a dit que je pouvais reproduire son idée, entre guillemets. C'est un peu ça. C'est quoi, on va refaire hypnose? C'est genre. Il va tellement rager. Ça va être tellement drôle dans sa vidéo. Et là, t'imagines, après, c'est genre, il se réveille. Après, j'évite l'attaque. Je fais l'ifilisation. Et après, il est gelé. C'est genre, le mec, il a vraiment pas de chance. Oh, en vrai, je le dégomme tellement. En vrai, je peux tellement le dégommer. Alors les gens, là je me suis rattrapée sur ce coup-là. Je fais pouvoir lunaire et normalement il est KO. Alors les gens, si je réussis... Oh mec, si je réussis, je suis vraiment très fort. Enfin, très fort. Franchement, il a bien géré au début. Hein. Clairement, il m'a dégommé au début. On va pas se le cacher. Allez, allez Pokémat, on a confiance en toi, pardon. Ah oh, purée, c'est tellement le stress en vrai. Papillusion, ah bah oui. Ah bah oui, sinon c'est pas drôle. Et attention, nous on va faire l'ifisation. Ben, bref, je sais pas dire le mot. Fenard, allez, vas-y. Et c'est parti. Et où? Ah, c'est pas le kill. C'est pas le kill. Choc mental, il peut toujours nous rattraper. Coup critique. Et wow, ça fait rien. Ça fait rien. Les gens, on a gagné, je crois. On a gagné. À part s'il évite l'attaque. Non, on a gagné. Yes. Eh bien, GG à Pokémat. Dites tous GG dans les commentaires à Pokémat. Ah purée, cette partie 2 était géniale. Ah non mais mon gars, j'ai trop kiffé, en vrai, de la faire. En vrai, il nous a dégommé au début et après on l'a pris par surprise, mon gars. Et paf, allez. Donc du coup, c'était tellement la galère pour lui. Ouais, on va enregistrer. C'est quoi? Et donc, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, c'était la partie 2. Ma nouvelle intro. Enfin, voilà, hein, fait par Pokémat et un peu de moi. Et Pokémat, merci à toi si tu regardes cette vidéo. Abonnez-vous à sa chaîne qui sera en description. Désolé si j'ai pas fait assez de vidéos en ce moment. Et sur ce, bye, je vous kiffe les potes. Ciao. Et merci à Pokémat. A plus.